Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. Être reconnaissant par rapport à quelque chose qui vous arrive dans la vie. Si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait quelque chose de bien et vous lui donnez des appréciations. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développeurs, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que lorsque j'étais en train de faire mon boulot, rendais mes services techniques à une entreprise, à l'occurrence de Starbucks. Je crois que beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu parler de Starbucks. En fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le café, dans la vente du café. Et la boisson du café, pas des grains de café. Et vos parents ont tellement souffert à cultiver du café. Mais ils ne se sont jamais enrichis. Ceux qui se sont enrichis sont ceux-là qui ont vendu la matière transformée du café. Nos parents vendaient juste la matière première et ils n'étaient jamais riches ou alors ne pouvaient jamais s'enrichir. Ceux-là qui ont compris que le business se trouve dans la transformation ont transformé ce café. Starbucks est l'une ou alors la plus grande entreprise qui fait dans la vente, qui commercialise le café. Le café transformé, c'est-à-dire du liquide que vous buvez, du liquide excitant, chaud, que vous aimez boire, soi-disant que ça va vous éveiller. Moi, j'y crois pas trop parce que lorsque je prends le café, si je dois dormir, je vais dormir. Le café, vraiment, il ne me secoue pas, il ne me fait aucun effet. Revenons à notre vidéo dans laquelle je vais parler de la gratitude et d'exprimer votre reconnaissance face à quelqu'un ou alors face à une situation. Comme je disais tantôt, la semaine passée, j'étais en train de travailler dans une entreprise, dans une boîte de Starbucks où j'allais dépanner une machine avec laquelle ils font leur facturier et tout le reste. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la technique, mais nous parlons de ce qui est derrière les faits et gestes que j'ai observés et que j'ai accomplis là ce jour. J'ai rencontré une demoiselle qui était vraiment très kind et très gentille. Elle faisait son boulot avec vraiment passion et amour. Elle nettoyait le sol et puis elle servait les clients. La manière qu'elle faisait les salutations, c'était les formes pour pouvoir faire cela, pour pouvoir être aussi jovial, aussi accueillant. Mais c'était le fond, tu ressens que c'est le fond, un peu comme si elles sont forcées à le faire. Elles te font des fake souris. Fake souris, c'est déjà elle sourit une seconde. Et puis elle a fini. Tu te dis, ok, ta souris, t'as pas souri. Ça, c'est juste du fake souris. On appelle encore ça du plastic smile. Un peu lorsque tu froisses le plastique, une tierce de seconde, tu relâches. Il a fini son bruit. Donc c'est la même chose avec ce genre de souris. Elle m'a offert un sourire qui était tellement accueillant. Et puis de temps en temps, elle demandait est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Et puis la manière que je voyais comment elle était en train de nettoyer, comment elle accueillait d'autres clients. Et j'ai pas hésité de lui dire « You could be a very nice wife. » Elle m'a regardé. Elle a dit « I was a wife. » Et j'ai dit « What happened ?» Elle m'a regardé. Elle m'a dit « It was a bad husband. » Donc, comme on dit en français, je lui dis que tu peux être une très bonne femme. Une très bonne femme. Quand je dis femme, je ne dis pas femme pour le sexe. Je dis une très bonne femme dans un couple. Elle m'a dit qu'elle était en couple. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit que c'est fini. Je lui demande pourquoi c'est fini. Elle dit que ce n'était pas un bon homme. Et je lui ai dit que tu es sûr qu'avant, quand tu étais avec cet homme, tu étais toujours comme tu es aujourd'hui, comme je te vois. Sûrement, tu as changé. Ou alors, lorsque tu étais avec lui, tu n'étais pas comme ça. Elle dit qu'elle était exactement comme ça. Meilleure même. Et que cet homme l'a fait changer. Et puis elle a perdu confiance en elle. Elle a pleuré. Elle a coulé les larmes. Elle a coulé les larmes pourquoi? Parce qu'elle m'a dit que parfois elle fait des bonnes choses et elle ne sait pas qu'elle est en train de faire des bonnes choses. Elle se dit peut-être que les gens sont en train de la voir, la regarder comme si elle est en train de faire des choses qui ne sont pas appréciables. Que les gens ne l'ont pas encore complimentée comme je l'ai fait. Et elle était vraiment très touchée. Elle était très émue. C'est pour ça qu'elle coule des larmes. Je lui ai dit que, oh, si tu coules des larmes, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un de très bien. Et garde tes larmes.
c'est pas la peine de les couler maintenant. Ses collègues sont là consolés et moi, je me suis senti tellement touché pour avoir mis du doigt sur cette blessure qu'elle avait déjà gardée plusieurs années. Et sans m'en rendre compte, comme je suis toujours en train de faire des choses de génie, j'ai donc réveillé ça en elle et elle a été vraiment flattée. Et c'est ça qui l'a motivée, qui l'a touchée. J'ai pris quelques minutes pour causer avec elle, pour lui dire qu'elle ne doit pas se décourager, qu'elle doit continuer à faire ce qu'elle fait. Parce qu'un jour, elle va rencontrer l'homme qui est venu sur terre pour elle. Et cet homme-là va voir sa valeur. Désolé pour elle, ce que je lui ai dit. Je suis déjà marié et j'ai signé mon monogamie. Et tu vas rencontrer quelqu'un de mieux que moi. Elle m'a offert un café. Et j'ai refusé le café d'abord parce que je ne suis pas accro au café. J'aime même pas du café. Elle a insisté. Et j'ai pris son café et j'ai consommé. Nous avons gardé les contacts et de temps en temps on s'appelle. Je crois qu'elle était une très bonne personne. Elle va rencontrer quelqu'un de bien dans sa vie. Tout ce qui est arrivé, c'est juste parce que j'ai complimenté. Je l'ai complimenté. Je lui ai dit quelque chose qu'elle disait qui était tellement bien. Et je lui ai dit de continuer à le faire. Et que je la trouvais vraiment pour une très bonne épouse, une très bonne femme qui pourrait bien prendre en charge un foyer, s'occuper d'un homme et de ses enfants. Et elle a senti vraiment quelque chose de naturel. Parce que vous savez, aux États-Unis, parfois on va te dire que oh, tu as des belles lunettes. Et c'est juste pour passer. Hein? C'est juste pour passer. Le plus souvent, quand ils disent ça, c'est juste tu vois, tu as rencontré une fille en route bien garou, il dit oh, tu as un beau t-shirt. Parfois, il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Mais nous, les Africains, lorsque nous apprécions quelque chose, nous le faisons du fond du cœur. Et c'est ce qu'elle a ressenti en moi. Donc elle a ressenti comment je lui ai dit ce que je ressentais dans mon cœur. Je lui ai dit exactement ce que je voyais en elle. Le message qu'elle m'a passé, je lui ai transféré le même message. Et elle a constaté que j'étais quelqu'un de vrai. C'est ça qu'elle a apprécié. Donc de temps en temps, ne manquez pas d'apprécier les gens. Ne manquez pas de dire ce que vous constatez sur quelqu'un de bien, positif ou négatif. Cela importe peu. Dans tous les cas, je suis toujours assez direct. Lorsque tu me parles, lorsque je ressens quelque chose qui sonne un peu négativement, je tire droit dessus. Je te dis exactement ce que je ressens par rapport à ce que tu m'as passé comme information. L'information peut être corporelle ou bien verbale ou bien gestuelle. Et tout ça, il faut pouvoir lire. Lorsque tu rencontres une personne face à toi, il faut pouvoir lire tous ces petits gestes, tous ces petits mimiques, toutes ces petites informations et apprécier à la juste valeur. C'était le message que je voulais passer aujourd'hui pour te dire que ton merci, ton s'il te plaît, ton pardon, ton excuse-moi, ton je t'en prie, ton I love it, I love you peut aider plusieurs personnes. Peut ressortir plusieurs personnes dans leur gouffre. Comme cette demoiselle, elle était rabattue. Elle dit que chaque fois qu'elle travaille, elle se dit est-ce qu'elle fait même bien, personne n'apprécie ce qu'elle fait. Jusqu'aujourd'hui qu'elle a rencontré ce gars qui lui dit que ce qu'elle fait est bien et qu'elle pourrait être une bonne femme. Elle a ressenti sa valeur parce qu'elle se dévalorisait petit à petit. Là maintenant, elle a ressenti sa valeur. Donc ne manquez pas de pousser quelques gratitudes, quelques appréciations à tout moment quand vous sentez que c'est nécessaire. Ça pourrait aider plusieurs personnes. Allez, c'est parti. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de me donner un pouce bleu. Également, partage cette vidéo. Également, partage cette vidéo pour que plusieurs autres personnes puissent en profiter. On ne sait jamais jusqu'où cette vidéo peut aller et jusqu'où ce comportement que les uns les autres négligent pourrait aider d'autres personnes. Donc, partagez cette vidéo autant que vous pouvez. C'est juste court, j'aimerais plus trop durer avec mes vidéos parce que vous vous êtes plein, vous dites j'ai fait de longues vidéos et vous n'avez pas assez de data pour pouvoir les télécharger ou les regarder totalement. Alors si ce n'est pas encore le cas, c'est l'occasion pour toi de t'abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons des contenus positifs. Je partage des nectars de motivation. Je parle de tout ce qui est bien et tout ce qui est négatif, tout ce que tu peux faire pour pouvoir t'en sortir dans la vie aux États-Unis et surtout en Afrique. Alors, sur quoi? Je vous dis bye bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.